la presse parlée, écrite et télévisée. Monsieur le représentant de la police nationale d'Haïti, monsieur le représentant de la justice de Bas-Cantal, monsieur le représentant de la délégation Nord, monsieur le représentant du secteur Vaudou, monsieur le représentant de l'Église catholique, monsieur le représentant de l'Église protestante, monsieur le représentant du bureau départemental Scout d'Haïti, monsieur le représentant des handicapés, monsieur le représentant des francs-maçons, les représentants de la société civile, mesdames, messieurs. Je suis d'ores et honnêtement ravi de prendre la parole au nom des représentants de 19 communes siégeant derrière moi. Mesdames et messieurs, depuis 1987, il y a un modèle d'État qui nous a adopté. Il y a un modèle d'État qui exige partage de responsabilité entre acteurs national, départemental, communal, accession communale. Malheureusement, par exemple, il y a une volonté pour mettre les principes démocratiques en application. Comme nous tous remarquons, les politiciens qui étaient là pour appliquer le principe ça, ils ont échoué. Et c'est ça que la cause pays nous a souffri et pays nous toujours en coma. Mesdames et messieurs, toute la sociale n'en aura dit si ta plein fini. Nous ne pouvons pas prêter Sida à garder le département à plonger comme ça. Je dis, nous réunis dans une occasion spéciale que nous baptisons pour l'envoi décentralisation département Nord. Mesdames et messieurs, je dis, nous voulons annoncer la communauté locale, national et même international là, que 19 membres communes département, nous mettons d'accord pour un droit constitutionnel nous, dans former assemblée départementale là, pour permettre formation conseil départemental là, pour nous rendre dans notre progrès administratif, économique et social. Mesdames et messieurs, comme toute société a fini par réaliser que c'est sur la décentralisation qui est solution pour retirer le pays à Nankoumar. Département Nord a pris le vent et nous pas camper dans la route parce que décentralisation départementale, communale, pour en pile avantage qui en bénéfice nous comme peuple qui doit vivre à l'aise. Mais quel avantage décentralisation côté dans le département nord là? La encourager stabilité politique dans le pays là. Moins politiciens pour aller gonfler dans la capitale là. La permettre de nous diminuer tout ça qui empêchait les décisions au plan dans l'avantage provincial. Tant pour planification à contrôle toute activité économique qui est souvent gérée par pouvoir central. La permettre département de bénéficier projet de tirabio, faire progrès sans complications politiciens incompétents.
l'Assemblée départementale a permis pour nous de faire un encadrement administratif à bien droit suite à toute la décision que le gouvernement départemental a pris dans la bonne marche commune. La permettre création d'emploi dans la commune, parce que c'est eux qui vont gagner tous les fonctionnaires locaux pour bailler la population en service. Mesdames et messieurs, pas qu'il y ait un département qui est épargné dans l'instabilité de la République Port-au-Prince. C'est à souiller mémoire ou Henri Christophe si le département n'a pas arrêté à subir une justice politique. Création de l'Assemblée départementale et Conseil départemental, c'est une urgence et essentielle pour nous permettre de payer à rejoindre des lieux. Mesdames et messieurs, assistant et encadrement du gouvernement national, là, nous prenons engagement pour nous construire une administration départementale fonctionnelle et efficace pour tout petit département, sans discrimination, qui permettre aux prochains représentants qui nommés après prochaine élection, venir une institution solide et moderne. Nous comptons sur appui tous les technocrates département et population en général pour nous lever les fils. Nous croyons à toute énergie nous, que la décentralisation, pas seulement une urgence constitutionnelle, mais pour nous, c'est une nécessité pour renforcer l'autonomie département et développement de la collectivité. Mesdames et messieurs, la présence de nous aujourd'hui, c'est un soutien qui gagne en pile valeur pour défendre la même cause. C'est une opportunité qui engage un dialogue constructif sous moyen congrès pour mettre un gouvernement local plus responsable à transparence. Nous devons continuer la bataille pour nous faire fierté, nous, même façon qu'ils sortent de faire. Nous-mêmes qui représentons la commune, nous avons demandé à chaque monde qui participait dans l'événement significatif pour l'avenir collectif, nous, en nous engager pour nous réparer espoir avec direction pays, nous, Haïti chérie. Je vais encourager le petit département dans quel que soit pays où il est dans le monde là. En prenant leur décision pour le département, ils ont leur direction, avec leur visage dans sa vie pour être avec développement durable et rentable. Dans cette année encore, des organisations vont apporter changement dans la nouvelle Haïti qui nous réveille. Et les générations capriliens vont suivre l'exemple. Nous avons campé bon gens pour retirer le département nord dans une situation difficile que la population a endurée. Et nous allons connaître un autre pays et un autre département. En tant que peuple qui dépend de liberté, nous devons engager nous. Pour nous apporter force pour nous ensemble, pour nous chasser l'hypocrisie, pour nous capables de dire vive Haïti chérie. Et nous connaissons, si nous ne pouvons pas apporter force pour nous ensemble, nous ne pouvons pas arriver côté nous voulons aller. Nous connaissons, en plein pays, nous qui disons l'union fait la force, c'est dans ça nous pouvons. Et c'est raison ça même aujourd'hui qui mettait nous chita là pour nous capables de département nord là, outils ça qui s'est assemblé provisoire départemental nord
pour nous capables de l'autre département. Nous ne pouvons pas camper, nous avancer. Même si ça va coûter nous, nous continuons la bataille pour le département nord capable de venir en réalité. Nous comptons qui ça département nord est représenté dans la question touriste, agriculture, dans le site historique. En plus de l'autre secteur qui va développer dans le département. En nous bataille pour notre département. Vive décentralisation pour notre département nord. Ensemble, nous allons faire une vie de département.